Saucisson de Han. Voici mon histoire. L'histoire. Aïe, ouf. Saucisson de Han. J'ai compris. L'histoire de Corneille. Saucisson de Han. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais. Saucisson de Han. Je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intéresse à faire tout ce que je dis. Attention, saucisson de Han. Attention, c'est nous Corneille. Saucisson de Han. On est trop fort. John Bessera. Saucisson de Han. À toi, mon cher. Hein? Non mais c'est bon, Corneille, t'as gagné. De toute façon, je comprends rien. Je... Allô? Ah, c'est vous? Oui, bonjour. Saucisson de Han. Tu sais, Corneille nous manque vraiment beaucoup. Ah oui, vous lui manquez aussi beaucoup. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, il mange bien ses croquettes, oui. Oui, ouais. Quoi? Ah, enfin non, c'est génial. Oui, oui, bien sûr. Comptez sur moi. Oh, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu sais que je t'adore? Pourquoi ai-je l'impression que c'est plutôt le téléphone que tu adores? Il est sorti. Enfin seul. J'ai oublié quelque chose. Ouais, c'est ça, bonnes vacances. Quand on cause avec son chien, c'est qu'on a vraiment besoin de repos. Oh, je vous jure. Mais enfin, il n'y a pas de train ici, nous ne sommes pas devant une gare. Et gagné, on prend l'avion direction les tropiques. On va rejoindre John et Bess. C'est pas génial, ça? Saucisson de Han. Je t'en supplie, il faut que tu saches. Je suis atteint d'aérodromophobie. Oula, d'aérodromophobie, quoi? Phobie, du grec ancien phobos, qui signifie effroi. Le sujet, en certaines circonstances, éprouve une terreur incoercible, immédiate et irraisonnée. Ma phobie à moi, ce sont les avions. Ce n'est pas possible. Tu ne comprends pas que j'ai peur. J'ai la trouille, les chocottes de l'avion. Enfin, Corneille, tes maîtres, t'as pas envie de les revoir? Oui, eux au moins, ils m'aiment. Alors dans ce cas, t'as pas vraiment le choix. Il y a qu'un seul moyen d'aller les retrouver, c'est de prendre l'avion. Ça jamais! Regarde bien mes babines! Plutôt être enchaîné et traîné dans la poussière sur des kilomètres que de prendre l'avion. Désolé, je vois pas de poussière. Je vais te dire un truc, Corneille, c'est pas une faux truc là qui va me cacher mes vacances. Alors on y va! Oh, faites pas attention, c'est parce que c'est la première fois qu'il prend l'avion, ça le rend un petit peu nerveux. Pauvre chouchou, reprenez ça, vous verrez, c'est radical, ça va le détendre. Avale-moi ça et tout ira comme sur des roulettes, tu sauras même plus que c'est ta faux truc là. C'est hors de question, as-tu seulement lu la composition de ces... Oh. Le chien qui est derrière nous, il parle. L'imagination des enfants est sans limite. Corneille, puisque tu ne veux rien savoir, tu ne me laisses pas le choix. Oh, mais où vas-tu? Saucisson de Han. Eh bien, téléphoner à John et Bess et leur annoncer que tu m'as dit que tu refusais de prendre l'avion. Un chien qui a de la conversation. Oh, mais ça va passionner tous les scientifiques. Non, dis pas ça. Pitié, je me rends. Je t'assure, je ferai tout ce que tu voudras. C'est promis. C'est promis. Vol 567, embarquement immédiat, porte 16. Corneille, c'est notre avion.
Corneille ? Allô ? Docteur Corneille à l'appareil. Pourrais-je avoir le service sanitaire, je vous prie ? Corneille ! Corneille ! Maman, j'ai revu le chien, il discutait au téléphone. Ma chérie, je crois que tu regardes trop de dessins animés. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol 567 est annulé. Une maladie tropicale extrêmement contagieuse vient d'être décelée à bord de l'appareil. Dis-moi que ça n'est pas toi! Très bien, docteur Corneille. Tu as gagné. C'est toi le plus fort. On rentre chez nous. Alors là, tu m'as eu, hein. Bravo, Corneille. Je savais que t'étais très doué, mais alors là, parole, t'as été génial. Un cerveau comme le tien, ça devrait se visiter. Félicitations, hein. Bien joué. Tu n'es vraiment pas fâché? Moi, fâché contre toi? Ouais, non. Pourquoi je t'en voudrais? Ah oui, au fait, j'ai oublié de te dire. Tu vas rire, ils nous ont trouvé un autre avion. Corneille, alors ça, c'est la vraie vie. En première classe, y a qu'à sonner et hop, boisson à volonté. C'est pas le paradis. Est-ce que tout se passe bien? Vous avez un souci? C'est votre premier vol, peut-être? Mon premier vol? Enfin, vous voulez rire? Non, 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 j'ai même un brevet de pilote. Ah oui? À votre âge, c'est impressionnant. Et vous voyagez avec votre chien? C'est vraiment gentil de lui avoir pris un siège pour lui éviter les désagréments de la soute. Attention au décollage, veuillez relever votre tablette et attacher votre ceinture. À tout à l'heure. Arrête, je t'assure, t'es vraiment en train de te rendre malade pour rien. Il n'y a jamais eu le moindre pépin sur cette compagnie. Justement, ce n'est pas normal. Statistiquement, elle devrait déjà avoir subi un sinistre. Ce qui veut dire que cet avion a toutes les chances d'être celui qui aura l'accident. C'est géant, je le crois pas. Oh, faut que tu vois ça, Corneille. Oh, les maisons sont rikiki comme des boîtes d'allumettes. T'es sûr que tu veux rien manger? Manger. Bon, bah, je prends ta part. Corneille, je connais qu'un seul moyen de te débarrasser de ton aéro. Enfin, tu sais, la phobie, là, le truc. Si les pilotes te montrent comment marche l'avion, ta peur, pouf, elle disparaît. Impressionnant, n'est-ce pas? Et tous ces boutons, vous savez à quoi ils servent? Oh non, j'en connais deux, trois, c'est tout. Et toi, Bill? Moi? Aucun, commandant. Je crois que ça va pas bien. Quelques rafraîchissements pour les pilotes? Drôle de chien, on dirait presque qu'il veut nous dire quelque chose. Oh mon Dieu, ils se sont endormis. Faites quelque chose, le sort des passagers est entre vos mains. Arrêtez, prenez les commandes. Vous m'avez bien dit tout à l'heure que vous étiez pilote, non? Alors occupez-vous de l'avion, moi je me charge des passagers. Oh non.
Tout ça, c'est ta faute. Si t'avais pas été malade, on n'aurait pas eu à venir dans la cabine de pilotage et on n'aurait pas... Ma faute! Mais as-tu seulement vu ce que tu voulais me faire avaler? Ah! Qu'est-ce que c'est? On va dégringoler! On va s'écraser! Non, ce ne sont que quelques boutons. Ce doit être simple comme bonjour. C'est juste l'arrêt du pilote automatique. Maintenant, on passe en mode manuel. Allô, tour de contrôle. Allô, tour de contrôle. Tour de contrôle, répondez. Pilote empoisonné, appareil en détresse. Terminé. Ici la tour de contrôle. Veuillez vous identifier. À vous. Ici le passager Corneille, Bernie Barge aux commandes. Je demande l'autorisation d'atterrir d'urgence. Permission accordée. Maintenez votre cap et tout ira bien si vous gardez votre calme. Commencez par sortir le train d'atterrissage. C'est le second poteau sur la gauche. On va jamais y arriver. Parfait. Maintenant, vous pouvez amorcer votre descente, mais doucement. Descendez doucement. Il est capital que les passagers ne se doutent de rien. Les parachutistes! Même monter qu'elle s'en tirerait mieux. Qu'est-ce que vous faites en tant que chien? Eh oh, soyez polis avec les chiens, certains pourraient vous entendre. Corneille! Oh mon bébé d'amour, j'ai eu si peur pour toi. Saucisson de Anne. Tu es notre sauveur. Saucisson de Anne. Ils ne pourront jamais assez te remercier. Voyons, ce n'est rien. Vous savez, c'était simple comme bonjour. Hein. Ah bon? Bien joué, mon garçon. Oh, tu nous as sauvés et tu t'es si bien débrouillé qu'au retour, tu auras le privilège de piloter l'appareil.